Allô tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on est le 17 octobre. Puis, j'ai été motivée à filmer. C'est ça qui se passe. Aujourd'hui, on reçoit la mère à Sam qui vient chez nous. Puis, je voulais vous montrer le cadeau que mon chum m'a fait. Mais en fait, je vous dis que c'est un cadeau de Noël à l'avance, mais ce serait plus un cadeau de nos 1 an à l'avance. En tout cas, je vais vous montrer. C'est aux Jean Coutu, ils ont sorti la nouvelle collection de Lise Wattier, qui vient avec en boîte comme ça. Fait que celle-ci, c'est un coffret mascara. Dans le fond, il y a un crayon en dessous. Là, dans le fond, ce que je porte en ce moment, c'est le mascara de Lise Wattier. Puis le crayon. Fait qu'il y a le crayon, mascara, puis ça c'est de l'eau micellaire pour enlever le maquillage. Et je me penche. Puis pour vrai, là, le mascara en soi, comme qu'elle m'a dit, est comme 28$. Puis la box est 33$. C'est une valeur de 61$. Puis on a juste payé 33$. Pour vrai, à date, le mascara va super, super bien. Le crayon, même chose. C'est ça va être mes produits coup de cœur. Puis, la deuxième, c'est celle-là ici. Fait que là, rouge à lèvres, il y a un eyeliner, il y a une petite palette, dans le fond, c'est un correcteur. Puis, il y a comme. C'est une base. Une base miracle. Tu peux t'en mettre pour faire un masque, puis en tout cas l'essuyer, tout. Là. Puis ça a une valeur de 65$, puis on l'a payé 39$. Fait que pour vrai, c'est malade. Je vais l'ouvrir celle-là, parce que je vais mettre du rouge à lèvres. Puis en même temps, je vais vous montrer. Il ressemble à quoi. Ça vient emballé comme ça. Ah oui, puis oubliez, il y a un petit parfum aussi dedans. On l'a ouvert hier juste pour voir si tout était correct là. Fait que ça. C'est le petit parfum. Un échantillon. Ah, oh, il sent bon. Ça, c'est le eyeliner. Ça, c'est le correcteur. J'ai hâte de le tester. J'ai juste pas mis aujourd'hui. Ça, c'est la petite crème. Elle est petite, mais faut pas que t'en mettes beaucoup. Puis, j'ai trouvé ça tellement mignon. C'est le mini rouge à lèvres. Fait que c'est dans la teinte Sandra. Ouais. Celle-là, je vais l'ouvrir. Ça ressemble à ça. Fait que je vais en mettre. Ça fait longtemps que je me suis pas mis du rouge à lèvres à cause du COVID. On porte des masques, ça sert à rien. Il est un peu la même couleur que mes lèvres. Fait que c'est ça. Ah, je suis tellement contente. Là. Il est beau. Mais celle-là, là, c'est en arrière, là, il y a comme toutes les instructions. Fait que bref, c'était ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Les petits achats qu'on a fait hier. Puis nous, on va se retrouver plus tard. Je sais pas quand. Allô tout le monde. Bon après-midi, en fait. on est le 18 octobre, puis je me suis rendu compte hier en vous montrant ce kit-là, ce qu'il y avait à l'intérieur, je vous avais pas montré vraiment à quoi ça ressemblait celui-là. Fait que, tant qu'à y être, je vais vous montrer que vous sachiez c'est quoi si ça vous tente de vous l'acheter. Mais si vous voulez l'acheter, genre faites vite parce que ça part extrêmement vite comme la madame m'a dit. Ça, c'est le petit crayon qui va en dessous des yeux ou en haut dans la muqueuse.
ressemblait à ça, le petit crayon. Il est gros, là, quand même. C'est un gros crayon. T'as aussi l'eau micellaire qu'il faut brasser. Ça a l'air toute blanche. Comme ceci. Et le fameux mascara, pour vrai, là. Il est tellement malade. Il est vraiment gros, là. C'est le gros format, là. C'est pas un échantillon. Non. C'est le mascara de Les Oitiers. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, là. Il est vraiment beau. Je vais vous montrer la brosse. Je l'ai utilisée à date une fois. Sans masse. Une brosse bien normale, bien simple. Puis pour vrai, là, il va vraiment bien. Moi, là, à date, là, c'est mon préféré. Mon mascara préféré. Puis il est dispendieux, là, quand même. Là. Puis là, tu as la box avec de l'eau micellaire plus un crayon pour 33$. Fait que pour vrai, là, c'est une aubaine. C'est vraiment pas cher. Fait que. C'est pas mal ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Là, je fais vraiment rien d'autre. Je fais rien d'autre à part relaxer. Puis, excusez-moi. À part relaxer parce que on est dimanche puis c'est la dernière journée à mon chum. Fait que on relaxe. Hier. Aussi, j'ai pas filmé parce que j'étais avec la mère à Sam, mais on a fait une croustade aux pommes que j'ai une partie que j'ai faite congeler puis une autre au frigidaire. On a aussi fait une béchamel pour elle. Oh my god, c'est tellement bon! Ça a juste aucun sens. Puis en même temps, on a fait la vaisselle, genre tout est propre, mon comptoir là. Genre. Je capote à quel point c'est vraiment, vraiment propre. C'est ça. Excusez. Si je voulais savoir, là. Non, je voulais rien savoir, en fait. Je sais pas pourquoi. En tout cas, fait que c'est ça pour la partie de ménage. Ouais, pas mal ça. Il me reste pas grand-chose à faire. Fait que là, je vais aller relaxer avec mon chum. Puis c'est ça. Puis là, mes cheveux, ils ont viré blond, genre. Oh, c'est rouge, puis tout le reste c'est blanc. Pourquoi? Je le sais pas. Mais ils ont vraiment mal viré. C'est un détail, comme on dit. Hello tout le monde! On est le 21 octobre. Là, mon beau-père fait mes feux. Salut tout le monde! Ouais, je mets du noir, là, j'étais tannée, là, du rouge. Puis toute une couleur dégueu. Ouais, on laisse une tache rouge là. Ouf, yeah. Oh my god, elle est rouge pour elle. Oui. Je vais vous montrer le résultat plus tard, mais que ça soit fini. Moi, je suis brun à l'eau, j'étais un homme, hein. Je suis brun à l'eau, j'étais un homme. C'est pas pour les ridicules dans la vie. Ah non, je suis adieu. Bon, ok, je reprends plus tard. Bon, alors voici à quoi ça ressemble. Ta-na-na-na. Hey, il a fait quoi exprès? Ah oh, ouais, c'est ça. Il y a juste cette couette-là qu'il faut que j'arrange, il faut que je l'aplatisse, mais ça me tente pas, fait que je le fais pas. Mais, vous avez vu ma mère, là, dans mes vlogs, là. Dites-moi si j'y ressemble, dites-moi là en commentaire. Genre, c'est effrayant à quel point j'y ressemble. Mais comme deux gouttes d'eau. En tout cas, un kiss de quoi de ma mère, de... En tout cas, ouais, c'est ça! Bon, hello, on se retrouve! Quelques heures plus tard, là on est rendu au vétérinaire pour le chat à ma mère. À ma mère, je prends le temps de vlogger parce que j'ai pas beaucoup vlogué aujourd'hui, puis je voulais vlogger. Non mais ouais, parce que le chat à ma mère, il y a comme eu. Pourquoi je dis ma mère? On dirait que je sais pas parler français. Le chat à ma maman. dans le fond, il a eu besoin comme de se faire opérer l'oreille. Fait que, elle a dû aller au vétérinaire. Puis là, aujourd'hui, il est supposé se faire enlever ses pointures. Fait que je l'avais sur moi tout le long. Fait que je pouvais pas prendre ma caméra puis vlogger parce qu'il arrêtait pas de miauler. Aussitôt que je mettais plus de musique, et ce n'est pas une joke ce que je vous raconte, aussitôt que j'enlevais ma musique, il se miettait, ouais.
il se mettait à miauler, mais... C'est quoi ça? Il se mettait à miauler vraiment fort. Fait que je remettais ma musique. Je pouvais pas vraiment arrêter d'y mettre de la musique parce que sinon il aurait miaulé tout le long. Ouais. Oh, j'aime mes cheveux pour vrai. En plus, tu sais, mec, mon toupette, il est pas fait, là, vraiment pas. Là. C'est pour ça que je mets mes cheveux comme. On se rase. Mais bref. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, j'ai pas mal. J'ai passé la journée avec ma mère. Comme vous avez pu remarquer, j'essaie de me donner comme de la motivation. Je sais pas si ça vous arrive vous là, mais tu sais quand t'as pas de motivation, puis il faut que tu fasses le ménage, mais le ménage comme pièce par pièce là. My God, on lâche pas, on va l'avoir. Mais ouais, fait que ma mère hier est venue, puis tu sais je filais pas tellement hier, fait que ma mère est venue. Puis elle m'a donné comme. Elle m'a dit, pour vrai, pour te déstresser, fais comme le ménage. Vas-y pièce par pièce. Comme là, aujourd'hui, j'ai fait ma chambre, mais pas tout au complet. Elle m'a dit, gars, fais une partie, puis un autre jour, tu feras l'autre partie. Fait que c'est ce que j'ai fait un matin. Je me suis donné un coup de pied dans le cul, puis j'ai comme fait la moitié de ma chambre. Qui méritait de l'entretien. Je vais être bien honnête avec vous. Depuis le déménagement, là, j'ai pas vraiment. T'sais, oui, j'ai nettoyé, mais genre j'ai pas placé rien. T'sais, j'avais aucune motivation pour placer mes choses comme faut, puis que ça aille de l'allure quand que le monde y vient. T'sais, mettons, ils rentrent dans ma chambre, puis ils voient que c'est le bordel. T'sais, c'est pas accueillant, c'est dégueu. Fait que. C'est ça, là, je me donne comme défi cette semaine, la semaine prochaine, de faire ça, mais à la grandeur de mon appartement. Tu sais, mon chum travaille, fait que dans la journée, à la place d'écouter des séries comme Pretty Little Liar, toute la journée, ben c'est mieux de faire du ménage, puis de cleaner mon appartement pour qu'elle soit propre et accueillant pour le monde qui vienne. Fait que c'est ça que je fais ce temps-ci. Je vais être bien honnête avec vous. Je file pas tant. J'ai le goût de rien faire. Comme hier, là, toute la journée, j'ai écouté Pretty Little Liar. Puis c'est intense. Là. J'ai pas arrêté du matin. Je me suis levée à 6h, ce qui veut dire vers comme max 7h quand Sam est parti travailler. J'écoutais ça jusqu'à 5h. Non, 6h30 le soir, là. Pratiquement 11h en ligne. Puis je mangeais pas à table. Une fois, j'allais chercher mon souper, mon dîner ou déjeuner. Je le mangeais dans ma chambre en écoutant mon émission. Mais c'est pas une vie. Vraiment pas. Mais faut que je m'enlève ça de la tête. Puis de me dire, go, Laurie, t'es capable. T'es capable de faire autre chose que... d'écouter juste des séries, tu sais. Je vais essayer de vous déposer là, parce que je commence à avoir vraiment mal au bras. Je sais pas où, je vous reviens. Bon, trouver un petit spot parce que j'avais commencé à avoir le bras mort. C'est ça le désavantage d'avoir une couette, des mini-cheveux. Mais ouais, c'est ça. Ce que je disais, en place de passer toute la journée à écouter des maudite série. Je vais faire du ménage. Puis, dès que j'ai fini mon ménage, ben, je vais pouvoir écouter mes séries. Mais pas tout le temps, pas à longueur de journée, parce que je vais me rendre encore plus malade que je le suis déjà. Vous comprenez? C'est ça, mais sinon, aujourd'hui, j'ai fait mes cheveux, comme vous avez pu voir. Sinon, on a écouté, ben moi j'avais déjà écouté, je sais pas si vous connaissez, c'est la nouvelle série sur Netflix, Julie and the Phantoms. Puis moi, ça va faire la troisième fois que je l'écoute au complet avec ma mère. Ben là, ma mère, c'était la première fois tantôt, fait que je fais écouter ça. Puis il y a 9 épisodes, puis on est déjà rendu à l'épisode 8, mais c'est parce que les épisodes sont comme entre 24 minutes et 30 minutes, 35 minutes, fait que c'est rapide, là, tu passes ça en dedans d'une journée. Fait que
Il nous reste encore deux épisodes à écouter. C'est le fun, moi je trippe bien raide. Ce qui est musique, j'aime vraiment intense. C'est pas mal ça. Là, on est au vétérinaire, comme vous pouvez remarquer, à Richemont. Je vois ma mère qui regarde dans le mic juste là. Oh là là! Ça, c'est gênant. C'est ma mère, c'est la première fois qu'elle me voit vlogger, mais je m'en fous. Mais ouais, fait que c'est pas mal ça. Après, je vais retourner sûrement chez nous. Puis demain, on a un autre petit programme de la journée. Ma mère, oh, elle a mon collier de ciel. On s'en va, son rendez-vous pour ses cheveux. Elle a fait un lissage à kératine, voilà, deux semaines, demain. Puis, elle a pris rendez-vous pour se teindre les cheveux en noir. Tu sais, sa couleur qu'elle a tout le temps, c'est du noir, elle aussi. Fait qu'elle va se refaire teindre les cheveux à la coiffeuse. Puis, c'est pas mal ça. Bon, je vais regarder ce que je fais. Mais pour être bien honnête avec vous, je vais sûrement prendre ça relax avec mon chum. Comme certains peuvent le savoir, si vous me suivez, mettons, si vous êtes mes amis sur Facebook, ben, vous allez le savoir, là. Ben, le 23 octobre, ça va faire un an que je suis avec Sam. Puis pour vrai, on dirait que j'arrive pas à réaliser que ça va faire déjà un an que j'étais avec lui. Puis tu sais, ceux qui savent encore, ceux qui savent, là, tu sais, après deux mois de relation, on est fiancés, là. Fait que deux mois après qu'on soit sortis ensemble, il m'a demandé en fiançailles en janvier, là. Mon Dieu, excusez la date. Le 31, je pense, janvier. Au nouvel an, là. Fait que devant toute ma famille, il a fait sa grande demande, puis c'est ça. Ça va déjà faire un an qu'on est ensemble, puis ça va faire un an le 31 janvier qu'on est fiancés. Fait que c'est comme tout ça, là, André, que j'arrive pas à y croire. Je suis comme, mon Dieu, je suis dans un rêve, je vais-tu me réveiller? Mais genre, cette personne-là me rend tellement heureuse. J'ai beau avoir de la peine d'être triste, c'est la même chose, mais tu sais, de pas filer, ben, elle va toujours être là pour me remonter le moral. Puis, c'est ça que j'aime. J'ai beau être fâchée, triste ou whatever, il va être là. C'était mon petit blabla d'aujourd'hui, mais je voulais quand même vous parler et vous dire que dans deux jours, ça va faire un an que je suis avec Sam. Puis ce que je vous ai montré là au début, mon mascara pis tout, ben c'est lui qui me l'a acheté, mais pour moi un an en avance. Vu que d'ici sûrement aujourd'hui ou demain, il y en aurait plus. C'est ça! Fait que j'arrête de parler, je parle beaucoup trop, mais j'aime ça vous jaser puis parler avec vous de ce qui se passe présentement. Puis tu sais, je suis honnête avec vous, je file pas. Le pourquoi, etc., ça j'en parlerai pas parce que c'est personnel, mais je peux vous dire que je file pas, puis que pour l'instant, je suis... Tu sais, ça me fait du bien de vlogger, puis de montrer mon petit quotidien, montrer ce que je fais. Ça me fait du bien. De sortir aussi, ça me fait du bien. Surtout que là, en plus, on est dans le COVID. Pis c'est dans le rouge partout, là, c'est rendu malade. Fait que c'est ça, j'arrête de parler, là, parce que je parle ben trop. Allô tout le monde, bon matin. On est le 22 octobre, il est 7h le matin. Le réveil n'est pas facile, les amis. Et là, là. Bon, fait que là, faut commencer. Je vais faire mes cheveux, genre juste mon toupette là pour qu'il arrête de gosser.
encore mon mascara d'hier. Je m'en dis mon crayon, mais il est comme lui il est un peu parti. J'ai dormi avec mon mascara. Mais ça m'étonne au bout qu'elle est restée autant. Genre parfait là. J'en viens même pas. J'ai eu des petits grumeaux noirs là, mais habituellement j'en ai partout du mascara quand j'en avais. Parce que c'est pas tout le temps que genre, j'ai la motivation de me démaquiller. Genre, j'ai pas la motivation, mais je vais quand même revenir faire quelques petites retouches avec mon crayon, là, pas mon mascara, j'en ai en masse, mais je vais faire les retouches. Pareil, mais pour vrai là, ce mascara, il est peut-être cher, mais il est bon en tabarnak. Je pense que je vais mettre un bip. Et non, je vais le laisser, voyons. Mais ouais, fait que c'est ça. J'ai pas vraiment grand chose à vous dire d'autre à part que je vais aller faire ma litière comme à tous les bouts du matin. Je vais aller faire ma litière. Je vais commencer un petit peu avant de partir chez ma mère parce qu'elle est sur rendez-vous à 10h30 pour ses cheveux puis je l'accompagne comme d'habitude. Fait que c'est ça. On va voir si je vous prends au courant de la journée. Si, parce que là on est jeudi, fait qu'on va voir si. Si on va faire l'épicerie, je vais vous revenir là-dessus. Bon, rebonjour! Je suis de retour chez moi. J'ai fait des achats, dans le fond. La coiffeuse à ma mère, on s'entend super bien. Puis avant, plein de trucs, des bijoux, des boucles d'oreilles. Et là, ça, c'est pas elle qui les fait, les boucles d'oreilles, là. Mais je me suis acheté il y a 2 semaines une paire de boucles d'oreilles exactement de la même marque qu'avant à sa boutique. Puis j'en ai racheté deux paires aujourd'hui. Là, il est vide, c'est normal parce que j'ai essayé, je vais vous les montrer. Tige en inox. Mettons, je sais pas si vous pouvez voir, mais là, il y a son Facebook. Non, sur Facebook, excusez, je lisais un message en même temps. Ça, c'est la paire de boucles d'oreilles que je porte en ce moment. Elle est vraiment, vraiment belle pour vrai. Puis comme vous pouvez remarquer, excusez. Si mettons je lève ça, là, vous remarquerez là, que celle-là est beaucoup plus pendue que celle-là. Là, pourquoi? C'est quand j'étais jeune. Mon oreille, celle-là, elle a comme un peu déchiré. Fait qu'elle est toujours plus basse que celle-là. Bref. Puis les autres boucles d'oreilles que j'ai achetées, c'est des petites plumes. Je sais pas si on va bien voir, là. Ouais. C'est des plumes, je les trouve tellement belles. Ça faisait comme 2 semaines, justement, quand j'y étais avec ma mère faire son lissage à kératine, que j'avais vu les deux paires que je porte en ce moment. Puis j'étais comme, ah, je vais en acheter juste une, tu sais, puis on verra plus tard. Puis là, 2 semaines plus tard, aujourd'hui, je regarde voir s'il y en aurait, s'il serait pas encore là. Puis les deux que je voulais, ils étaient là. Fait que j'ai-tu sauté dessus, vous pensez? Oui. Pour une paire de boucles d'oreilles, c'est 12$. Pour deux, c'est 22$. Fait que moi, j'en ai acheté deux. Mon chum, il était comme, ben, achète les deux. Ah, ok. Tu sais, vous. J'ai pas une grosse obsession pour les bijoux, mais des boucles d'oreilles, j'aime ça. J'en porte pas souvent à cause justement de cette oreille-là, là. Mais quand j'en porte à l'occasion. Mais si vous aussi acheté un petit pyjama, ma mère pis moi, on a le même, c'est des moutons. Ouais, des moutons.
C'est ça, parce qu'il y en avait un autre à 50% de rebais, fait que... Encore là, j'étais comme, ben là, ma mère s'en prend un, je vais m'en prendre un, il va coûter moins cher. Puis, hey, vous autres, je fouille dans ma sacoche les petits comiques. La dernière chose, vous savez que j'essaye de tomber enceinte, puis tout. J'essaie de tomber enceinte, fait que j'essaie de tout mettre les efforts de mon côté. Puis, je me suis fait conseiller de prendre des maternas pour essayer de faciliter la conception. Ouais, fait que c'est des maternas. Faut que je les prenne, dans le fond, t'as deux pots. Tu peux acheter ça en pharmacie ou Jean Coutu, il y en a. Sauf que moi, je les ai achetés sur Amazon. À la place, là. Fait que, ouais, t'as comme... Puis, ma mère, elle les a commandés hier, parce qu'elle s'en a acheté. Elle les a commandés hier, puis on les a reçus aujourd'hui. C'était censé être demain, finalement, je les ai reçus aujourd'hui. Fait que c'est deux bouteilles. T'as une en capsule, puis une en gélule. Puis, il faut que tu prennes les deux en même temps, une fois par jour. Fait que moi, je vais les commencer demain matin. Puis, on verra ce que ça va donner. J'espère que ça font... que ça va marcher, là, parce que, tu sais, ça m'a quand même pris, ça m'a coûté comme 22$, hein. C'est pas cher, là, mais j'aimerais ça que ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, c'est pas plus grave que ça. Écoutez, la vie est faite de plein d'obstacles, puis en tout cas, bref, ça pour dire que c'est ça, mes petits achats d'aujourd'hui. Ouais. Aller vous montrer mes autres boucles d'oreilles que j'ai achetées il y a 2 semaines. Je vais aller vous les montrer. I'm back! Fait que eux autres, là, j'ai un petit coup de cœur pour eux autres. Là, je vais vous en montrer Justine, là, parce que... Essayez d'aller à la lumière pour... Ah! Comme ça, on voit mieux! Parce que j'ai une petite lumière en haut de mon lavabo. Okay, je vous montre ça de plus près. Comme ça, vous allez... mieux voir. Qui ressemble à ça, celle-là ici. L'autre à ça. Des petites plumes. Puis, les premières que j'ai achetées, parce que elles, c'était vraiment mon coup de cœur. C'est ça ici. Avec des fleurs. J'ai une passion depuis longtemps sur les fleurs. Sont juste, elle est juste magnifique. Regarde ça. Je pense que je vais filmer ça à l'avenir. On voit super bien, même si je filme avec mon téléphone. Fait que bref, c'était ça ma petite parenthèse d'achat d'aujourd'hui. Puis arc, il y a une grosse araignée, ça c'est dégueulasse. Je vais m'enlever de là finalement. Fait que ouais, je vais ranger tout ça, puis nous on va se reprendre plus tard. Je sais pas trop. Ah oui, puis je crois que la prochaine achat que je vais me faire, c'est m'acheter une boîte à bijoux. Parce que j'ai plein de colliers, j'ai plein de bagues, de boucles d'oreilles, puis j'y perds parce que j'y mets une place, je déplace, j'y mets une place, j'y oublie, j'y perds. Fait que je pense que je vais m'acheter une boîte à bijoux, je vais tout ranger mes bijoux dedans. Puis comme ça, il y aura plus de problème de perte de bijoux. Fait que, ouais, c'était juste ça que je voulais rajouter. Je sais pas quand je vais en acheter, mais on va voir ça. Allô tout le monde! J'espère que tout le monde va bien. On est la fameuse journée de nous un an, à moi pis Sam. On est le 23 octobre. Oh là là, que je capote un petit peu trop! Ok, c'est bien simple, là, mais regardez mon maquillage. Hey, mon eyeliner, là, celui-là, il est parfait. Genre, celui-là, j'ai dû l'arranger, là. Hey, mais là, je pense que je tiens quelque chose. Je veux quelque chose. Ok, ouais, bref. C'est ça, je voulais juste conclure le vlog. Mais dans le fond, je vais vous dire ce qu'on va faire aujourd'hui, là. Il n'y a rien de vraiment palpitant. Sam, mais qu'ils finissent de travailler, on va aller chez la mère à Sam, à Sherbrooke, pour aller chercher des étagères pour avoir plus de rangement.
Puis on va peut-être souper là. On va y aller dans le fond avec la van du travail à mon chum. Fait qu'on va prendre la van. Puis on va pouvoir tout emmener nos armoires que ça fait longtemps qu'on est censé aller chercher. Mais bon, c'est pas bien grave. On va y aller ce soir. Puis sinon, il n'y a rien vraiment de palpitant qui va se passer aujourd'hui à part ça. On n'a pas vraiment prévu grand chose. Là. En plus, avec le COVID, on peut pas sortir. Fait que ça va se résumer à ça, notre petite journée, ben, soirée. Là. Je voulais juste vous tenir au courant et en plus conclure le vlog parce que je suis en train de faire le montage et il est quand même assez long. J'ai quand même assez parlé dans ce vlog. Mais c'est pas grave, j'aime ça parler, puis encore je parle, mais bon. Fait que c'est ça, j'espère que vous allez avoir aimé le vlog. Et ceux qui se sont rendus jusqu'au bout, je vais le savoir, parce que je veux que vous mettez un emoji cœur. Un cœur rouge, cœur bleu, le cœur que vous voulez, la couleur que vous voulez. Comme ça, je vais savoir qui a écouté mon vlog jusqu'au bout. Puis je pense faire ça pour aussi mes prochains vlogs. Comme ça, je vais voir le monde qui l'écoute au complet. Fait que sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Un bon matin, une bonne soirée. Tout dépendant l'heure que vous regardez ce vlog. Puis nous, on va se voir dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!